I'm gonna make it.
Hey, yeah, Mr. Mabe,
te passeport tu peux pas pour ma cadé sauf qu'il y a pas qui docteur ouais ça la qui côté te ya ya te a coupa qui te le qui n'a pas ya coupa qui te oh li ouais et y a ni ma qui te et y a mon vital et y a ni mon livre et y a ni qui t'en compte et y a ni c'est ma bécaille. Oh,
Yesue, alléluia.
Jésus. Merci Jésus. Tu l'as récupéré. Merci Jésus. Tu l'as récupéré. Merci Jésus. Car il est dans la paix. Alléluia. Pour chaque homme. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu l'as guéri. Merci Jésus. Tu l'as récupéré. Merci Jésus. Car il est dans la paix. Alléluia. Encore une fois, merci Jésus.
Mesdames et messieurs, je vous inviterai à vous rapprocher afin qu'on puisse tous entourer Thomas. Vous avez quelques chaises pour la famille proche et les personnes qui ont un petit peu de difficulté à tenir debout. Vous pouvez vous rapprocher et vous installer tout autour de Thomas. Tonton Anderson? Oui. Hein? C'est bon. Tu penses qu'il est utile? Thomas a organisé cet hommage aujourd'hui pour que nous soyons tous réunis auprès de lui et pour que nous puissions créer ensemble un moment d'intimité dans la sérénité et dans la paix afin que cette cérémonie apaise notre cœur à tous. Tout d'abord, la famille tenait à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. La non-présentation de Thomas est une décision prise par la famille et nous vous prions, merci, de respecter cette volonté. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour accompagner notre père, notre frère, notre oncle, notre papy, notre époux, ici, dans sa dernière demeure. Mais pour en arriver là, nous allons commencer par une petite présentation de M. Makengo. Thomas Makengo Kinanga est né le 26 janvier 1966 à Limité, Congo. Il est issu de l'union de M. Makengo Kinanga et Mme Mabeka Nzuzi. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 8 enfants. En 1989, Thomas Makengo Kinanga et son frère Francis quitteront Kinshasa pour Paris afin de s'offrir une vie meilleure. C'est ici, en France, que Thomas poursuit sa vie et crée sa famille. C'est à Pontokombo que Thomas tissera des liens familiaux et amicaux avec un bon nombre de personnes ici présentes. Sa joie de vivre, sa sagesse, ainsi que son côté taquin, ont fait de lui une personne appréciée de tous. Employé à la CFGV, située à Tournan-en-Brie, que sa loyauté ainsi que son honnêteté et sa rigueur lui ont valu une belle et longue carrière en entreprise, Thomas Makengo Kinanga est un homme digne, qui s'est battu toute sa vie pour sa famille. Oui, s'est battu pour sa famille. Pour commencer, il fut un fils aimant pour ses parents, puis un frère attentionné pour ses frères et sœurs. Il poursuivra par être un oncle adorable pour tous ses neveux et nièces, bien qu'il ait plus de nièces que de neveux. Le 31 mai 2003, il s'unira par le mariage civil avec Madame Abinata Matutu. Du fruit de cette union, naîtront Kensia Karen Chris et Chloé. Un époux à l'écoute et un père très attentionné pour ses enfants. La maison des Makengo est très vite devenue un refuge pour tous, pour ta famille, tes amis, les grands et les jeunes, comme le dit son épouse. Thomas Makengo Kinanga n'avait pas de génération. Notre pensée sera aujourd'hui pour toi, Thomas. À jamais, tu demeures dans nos cœurs. Et pour débuter cette cérémonie ensemble, mesdames et messieurs, j'aimerais tous, en cet instant, vous inviter à vous souvenir de ce que Thomas a représenté pour vous. De la place qu'il occupait dans votre vie, dans votre cœur, en vous remémorant aujourd'hui, en cet instant présent, malgré votre peine, votre émotion, tous les meilleurs moments que vous avez pu vivre et partager avec Thomas. Je vous propose à présent, mesdames et messieurs, de vous recueillir quelques instants dans le silence de votre cœur.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. À présent, pour rendre hommage à Thomas, j'inviterai son meilleur ami, Niala Delphin, à venir à mes côtés pour pouvoir évoquer Thomas. Mon frère Thomas, mon précieux ami, mon conseiller de toujours, mon confident. Tu étais mon pote à qui je pouvais tout dire, voire des fois m'énerver contre toi, mais tu avais toujours le sourire. Tu étais mon grand frère. Est-ce que toi, je commence à le rappeler? Mon cher Thomas, comment ne pas souligner ta bonté d'âme? Toi, le papa aimant, les plus dévoués, les frères attentionnés, on l'a dit. Et l'ami fidèle pour tous ceux d'ailleurs réunis ici présents ces jours pour accompagner vers cette dernière demeure. Nous essayons, mon cher Thomas, de l'accepter. Car beaucoup nous disent que c'est le chemin pour nous tous. Mais je pense très sincèrement que c'était trop tôt. Tu t'es battu avec un courage admirable pour terrasser cette terrible maladie qui t'a arraché à nous. Pour t'encourager, je te disais, allez mon vieux, bats-toi, n'ose jamais être un dernier. Comment tu n'arrives pas à vaincre cette année maladie? Et en rigolant, tu me disais, à développer le Wakuna. Maladie en gros, ils ont bombana partout et j'arrive pas à l'appréhender. Et toi, avec ton humour légendaire, tu rajoutais en riant, t'inquiète, si je la croise, elle va voir de quel bois je me chauffe. Et on rigolait. C'est un crève-cœur, Thomas, pour nous tous, mon frère depuis l'âge de 6 ans. Nous étions inséparables. Ensemble, nous avons fréquenté le même internat, Bambamboma. Francis y était, ainsi qu'Anderson. Nous avons monté ensemble un club de jeunes qui s'appelait la Pléiade, au point que là où on habitait, on l'appelait le coin de la Pléiade. C'était pour mentionner le jeune qui aimait en même temps les études, goût à la lecture, et en même temps, on n'oubliait pas notre quartier d'où on venait. Nous avons monté des équipes de football pour essayer de combler en tout cas nos vacances. Maître Thomas avait un goût au sport, et avec le sport, des fois on l'appelait Maître Mboumbou. Ça, c'est pour les intimes. Ils sauront de quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, en tout cas, c'est mettre un bonbon. Ton absence va laisser un vide immense. Pour moi, pour ton combo, c'était Thomas, Francis. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne puisque Francis habite tournant en prix. Là où tu es, inutile de me répondre, Thomas. Je connais déjà tes mots. Je sais que tu vas simplement me dire, avec ta sérénité et humour habituel, défends, laisse-moi me reposer. Ma souffrir peut trop. Je t'embrasse infiniment, mon frère. Pour tout ce que tu as apporté. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Niala, pour cette belle évocation de votre meilleur ami. Avant que je laisse la parole au pasteur Anderson, est-ce que quelqu'un souhaiterait évoquer Thomas en quelques mots parmi vous?
Bonjour à tous. Merci pour votre présence et votre soutien. Je suis allée de Toto Thomas. Toto Thomas, c'était un homme fort. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Merci pour ces 5 ans de combat. Je les ai commencés avec toi. Et aujourd'hui, je t'accompagne dans ta dernière demeure. Tu as été tellement fort. Et tu sais que j'étais pas fatiguée de t'accompagner. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Le Seigneur ainsi. Va en paix, mon oncle. On ne t'oubliera jamais. Ta gentillesse, ta sagesse, ton côté taquin, ton humour, ça va tellement nous manquer. Mais je sais que de là où tu es en paix, et je sais que tu veilles sur nous. Je sais que tu veilles sur Kétia. Je sais que tu veilles sur Kérène. Je sais que tu veilles sur Chris et Chloé. Tantine Abby, elle t'aime très très fort. Un grand merci à Tantine Abby pour la femme forte que tu as été. Non, c'est ce que vous avez. Et tu oublieras jamais. Et moi aussi. Le 31 mai 2023 a eu lieu votre mariage civil. Le 31 mai 2024, elle t'accompagne aujourd'hui. Merci Tantine Abby pour ta fidélité. Merci pour la maman que tu as été pour nous et que tu es toujours pour nous. On t'aime très très fort quand tu es là. Tu vas nous manquer énormément. C'est pour Yann, ta MacGyver préférée. Ton infirmière préférée. Ta nièce. Ton fils de ton cœur. Au nom de moi, mes sœurs et mes frères, on te remercie pour tout. Tu vas tellement nous manquer, mais n'oublie surtout pas que on t'aime fort. Veille sur nous, accompagne-nous. Et je sais que tu es présent dans les esprits de chacun et dans nos cœurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce bel hommage. J'inviterai à présent à mes côtés le pasteur Anderson pour la cérémonie religieuse en hommage à Thomas. Qui a permis que nous puissions nous rassembler à cet endroit, en cette circonstance. La vie va faire que les amis. Il y a eu quelques auditions, mais ce n'est pas un problème. Partout où ils allaient, ils me précédaient. Ils sont allés à Kisantou, ils m'ont précédé. Et en 77, je les ai suivis. En 83, nous sommes allés à Mbantamboma, comme mon père vient de le dire. Et en 89, ils m'ont encore précédé ici en Europe. Et 3 mois avant leur mariage, je suis arrivé en Europe en 2023. Dieu sait ce que je veux. Nous ne sommes que poussière. De la poussière, nous sommes tirés
Et c'est de la poussière que nous aurons. Je veux que chacun de nous puisse. Tu vas obligé de fermer les yeux. De prendre le moment. Je n'ai pas beaucoup de mots. Mais la Bible dit, dans nos faiblesses, nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Mais toi, ô Père, par ton esprit, tu intercèdes. Ou ton esprit plutôt intercède en nous par des soupirs inexprimables. Dans cette douleur, dans cette circonstance, je te remercie, Père, pour le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas de paroles. Merci. Parce que le Saint-Esprit en a pour nous. Que ce moment soit pour la gloire de ton nom. Donne la force à chacun de nous. Comme tu as toujours aimé. Je suis confiant que tu es là, mes amis. Je recommande ce moment où nous voulons aussi écouter la parole. Entre les mains de Dieu. Seigneur, la Bible dit, c'est bon d'aller dans la maison où il y a les deuils, qui est d'aller dans la fête. Parce que là où il y a les deuils, l'homme prend les choses à cœur. Et je prie afin que chacun de nous puisse prendre les choses à cœur. Chacun de nous puisse comprendre que nous ne sommes que des passagers. Que chacun de nous puisse comprendre que rien ne sert, rien ne sert plutôt de gonfler. Rien ne sert d'être plus gros comme la grenouille devant les deux. Pour un de nous, je parle. Donne la force à chacun. Yesu ni konabo, Yesu ni konabo lingoyo, olingi ngami ngiyo, okufela kinga ikyo, ontalisi nganzela. Yesu yo malamu, Yesu yo malamu mingiyo, opesa kina ibongo, opesa kina bongo, ekozala sena seko, moye kosilate. Ata pasi sokoli wayo, oyo kolongwa nangai, yoso paki makila po, weke nga nazwa bombo. Nga lingi kolo ye, Yesu yendo yelonga, aleluya, aleluya, na Yesu yenda, ala lingi kolo, na lingi kolo Yesu, aleluya, na Yesu, aleluya, ala lingi kolo Yesu, kambe sobita mwa, aleluya na Yesu, na lingi kolo Yesu, aleluya na Yesu. J'invite aussi la lycée
qui nous a encore assemblés. Et un moment à passe. C'est un moment douloureux. Nous venons de nous séparer avec notre père. Chaque fois que je retourne en Angola, les gens de Luanda me réclament. Papa Thomas, qu'est-ce que Papa Thomas m'a envoyé? C'est sûr que tu m'avais vu cette nuit. Je suis entré dans cette famille au travers de Christ. Je connais toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. À travers Jésus. Au travers de Jésus. Et ils m'ont aimé. Cette douleur que tu as, moi aussi je l'ai. Genèse 49. Dans Genèse 49. Verset 1. Au premier verset. Ma Bible est en portugais, mais si quelqu'un a la version française, il peut nous faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Parole du Seigneur. Amen. 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 Yaya, tozongi lisusu. Nous revenons encore. Dans quelques temps, Papa Thomas retournera à la terre. Genèse chapitre 49, verset 1. Genèse chapitre 49, au premier verset. Jacob, Jacob allait mourir. Mais il avait 12 fils. Mais il avait 12 fils. Mais avant de mourir, il avait assemblé tous ses enfants. Et lorsqu'il les a tous assemblés, il leur a dit cette parole. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Que je vous dise les choses qui vous viendront dans quelques temps. Il allait mourir. Il a assemblé ses enfants. Il leur a dit ceci. Vous n'allez pas rester ainsi. Mais avant de avant que je m'en aille, ce serait bien que je vous dise les choses qui vous viendront suite à la suite des temps. Nous nous sommes assemblés pour Papa Thomas parce que Papa Thomas nous a laissés. Mais c'est une occasion que Dieu te donne, il te donne de t'annoncer les choses qui viendront à la suite des temps. Je reviens encore. J'avais dit cette chose-là la veille. Nous sommes des Bantous. Dans notre origine, si on te dit que tu vas mourir, tu vas rassembler toute ta famille. Parce qu'ils t'ont dit une mauvaise nouvelle. Mais j'aimerais te rassurer encore. De la même façon que Papa Thomas est allongé, toi et moi, un jour également ce sera notre tour. Tel que les gens sont assemblés ici, aujourd'hui c'est pour Papa Thomas. Mais un jour ce sera pour toi. Et un jour sera pour moi. Et Jacob voulait parler pour ses enfants lorsqu'il les a assemblés pour leur dire les choses qui allaient leur arriver pour les enfants. Il n'y avait rien à rectifier. C'est-à-dire que lorsque le père les appelle, c'est pour prononcer pour chacun la sentence. Et si tu lis la Bible, tu comprendras que toute personne à qui il avait parlé, il parlait selon leur travail. Ce qu'il allait faire, ce qu'il a fait, c'est ce que le père lui avait déjà dit en avance. C'est-à-dire, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. La loi de la semence ne ment pas. Même si tu fais le fier aujourd'hui, mais devant Dieu, tu ne pourras pas présenter les choses que tu n'as pas faites. Les enfants de Jacob, il n'avait plus la possibilité de changer. Mais toi et moi, en quittant ici, nous avons la possibilité de changer. De la même manière que Jacob a béni ses enfants, il leur avait parlé à d'autres enfants. Il y avait un jour qui se préparait où toi et moi, nous allons nous présenter devant le Père. Et tu seras jugé suite à ce que tu as fait. Oui. Oui.
Certainement, tu t'es préparé pour venir ici. Peut-être que tu as acheté une chemise noire pour venir à l'enterrement de Papa Thomas. Tu as acheté un nouveau manteau pour venir à cet enterrement. La Bible nous dit vanité des vanités. Toutes ces choses passeront. Peut-être que tu te regardes. Non, moi je suis mieux habillé ici. Je les dépasse tous. Frères et sœurs, tu peux nous dépasser vestimentairement, mais ça ne te défendra pas devant Dieu. Ce qui te défendra devant Dieu, c'est que tu lui dises: Papa, le jour où Papa Thomas est parti, j'ai entendu cette parole. Et ce jour, j'ai pris la décision de dire: prends ma vie. La vraie décision que tu peux prendre, ce n'est pas que tu laisses une histoire, que l'on puisse parler de ta belle voiture. Toutes ces choses vont passer. Quelqu'un a dit vanité de vanité. C'est Salomon. C'était un roi. Personne ne s'est mieux habillé que Salomon. Jésus lui-même, il a parlé de Salomon par rapport à sa façon de s'habiller. Mais à la fin de sa vie, Salomon a dit: vanité de vanité, tout passera. Papa Thomas, le voici. Il y a des enfants à Luanda à qui il envoyait des iPhones. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Peut-être qu'il se demande qui va encore nous envoyer des iPhones. Sauf que c'est notre chemin à tous. Ce jour-là, de Dieu, lorsque tu sortiras, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, c'est ton opportunité. Jacob a dit: asseyez-vous, que je vous annonce les choses qui vous viendront. Nous sommes assis. Même si tu es debout, mais nous sommes assemblés autour de Papa Thomas. J'aimerais te dire, bien aimé, c'est une occasion que Dieu te donne. Il veut encore te dire que ces choses t'arriveront. Mais si cela t'arrive, comment est-ce que ça va te rencontrer? C'est le moment de dire: Seigneur, prends ma vie. Si tu allais déjà à l'église, arrange ta relation. Arrange ta relation. Ce qui se fera demain, toi tu ne sais pas. Je ne sais pas. Si je rentre chez moi, peut-être que ça sera moi. Peut-être que ça sera toi. Mais ce qui serait bien, c'est que ce jour, ils te disent: rentre dans le repos, mon serviteur. Lui, nous étions avec Papa Thomas. Nous avons prié avec lui tout le temps. Nous allions chez lui pour prier. Nous avons pleuré avec ses enfants. Mais la Bible nous dit: en toutes circonstances, élevons Dieu. Il a entendu nos prières. Mais il a décidé, parce qu'il est souverain. Nous, ce que nous savons, Papa Thomas connaissait Jésus. Parce qu'à chaque fois que nous prions, il disait: première, Dieu va faire. Et cette confiance, c'est bien. Mais toi et moi, le temps est encore. Peut-être que tu as fui l'église pour une personne qui t'avait mal parlé. Mes frères, lorsqu'on t'appellera pour le jugement, tu ne seras pas avec cette personne qui t'a fait fuir de l'église, mais tu seras seul. C'est pour ça, laisse ces choses qui peuvent t'empêcher de te présenter devant lui. Je ne veux pas te prendre plus de temps. Nous ne prophétisons pas. Nous ne voulons pas que tu achètes une voiture. Parce que même les gens qui ne prient pas achètent aussi des voitures. Mais ce n'est pas prier qui veut acheter des voitures. Même les gens qui ne prient pas achètent. Mais après la voiture, qu'est-ce que tu recevras? C'est le temps de la réflexion. Nous ne te prêchons pas pour que tu te réjouisses. Ces choses que nous te disons, c'est pour que tu réfléchisses. Après la mort, peut-être qu'on te dira: ah non, ce jour où je vais mourir, on me fera une messe et tous mes péchés partiront. Non, les Écritures ne disent pas ceci. La Bible nous dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Suite à ça, cela viendra le jugement.
Prends le temps de réfléchir. Et aujourd'hui, continue ta marche avec le Seigneur. Si tu ne connais pas, cherche les hommes de Dieu. Donne-leur ta vie. Et Dieu te gardera. Même si la mort vient aujourd'hui, ce jour-là, tu seras près de lui. Je laisse que Dieu vous bénisse et que cela soutienne vos cœurs. Nous fermons les yeux. L'évangéliste Shiloh va prier pour bénir cette parole. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Je voulais que nous devons te dire qu'il va nous réussir dans la paternité et dans la possibilité à continuer à nous saluer. Dans le monde, nous sommes tous les paroles que le Saint-Esprit continue à parler dans la paternité, mon ami, afin de prier par un temps où nous sommes. Amen. 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 J'ai besoin des hommes pour comprendre que le monde spirituel existe. Que le monde spirituel existe. Alléluia. Amen. Mais avant d'entrer dans cette chose, la cérémonie que nous allons faire est la cérémonie pour le retrait de l'alliance. Amen. Amen. Je vais le faire. Je vais le faire. Dieu m'a doté de cette force aujourd'hui. Amen. Amen. Merci, Pasteur. Je suis avec toi. Et je suis avec les serviteurs. Yaya, le papa, interprète-moi. Interprète-moi. Jude 9. Jude chapitre 9. Non, Jude 9. Jude 9. Il n'y a qu'un seul chapitre. C'est le verset 9. Et suis-moi bien. Nous allons pas entrer dans les détails, mais écoute ce qui se dit dans ce verset. C'est très important. J'ai lu la parole de Dieu. Jude 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait le corps de Moïse, il se disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il n'a pas eu un jugement injurieux. Mais il dit, il a dit que le Seigneur te réprime. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur te réprime. Amen. Moïse, nous le connaissons tous. C'était le prophète par excellence. Dieu avait dit, s'il doit y avoir un prophète dans ce monde, je lui parlerai en vision. Mais à Moïse, je lui parlerai face à face. Mais lorsque Moïse est mort, Satan est venu pour réclamer son corps. Toi maintenant qui ne prie pas, le jour où tu vas mourir, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés? Amen. Il y a des gens mal intentionnés qui travaillent dans les cimetières. Mais il dit, je connais une église
oyo bango basala ba prière na bango ba utiliser le mot ya bato bakufa miku ya bato bakufa. Qui, il y a une, je connais une église et lorsqu'ils prient, ils utilisent les membres du corps des personnes décédées. Beaucoup pensent que lorsque je vais mourir, tout sera fini. C'est pour ça que les gens se donnent à la mort. Ils se suicident. Ils se disent, je vais simplement écourter ma vie et ce sera fini. Mais le combat continue. Mais il faut que nous soyons à l'abri. Amen. Amen. Nous devons être à l'abri. Est-ce que toi tu es à l'abri? Je demande qu'on puisse trouver Romains chapitre 7 pour arriver à la fin. Mais j'aimerais attirer ton attention. Tu es ici. Tu vas à l'église. Tu continues encore tes aventures. Tu es de passage. La protection vient seulement de Dieu. Le monde spirituel existe. Et le monde spirituel existe. Ne te limite pas seulement au monde physique. Ne te limite pas simplement au monde physique que tu vois. Que je m'habille, je mange, j'ai ma voiture. Ce sont des choses du monde. Mais le monde ne s'arrête pas là. Vanité des vanités. Celui qui vient de nous prêcher nous a dit que ces choses sont vanité. Mais Dieu a aussi fait ces choses-là pour nous. Mais ce ne sont pas des choses qui sont importantes. Il faut que je me prépare. Parce que la Bible nous dit, il est réservé à un homme de mourir une fois. Et après, viendra le jugement. Comme quoi, vous allez noter que la mort n'est pas vraiment la mort. Amen. Si la Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Amen. Et après. Oh, mais comment ça? Mourir une fois et après, il y aura le jugement. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ça veut dire qu'après la mort, il y a encore. Amen. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 7. Dans le livre de Romains chapitre 7. 2, et 3. Verset 2 à 3. Commence au verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. La loi ezakoleka na komoni sanguya na yango. La loi démontre sa puissance. Son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Dans l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Une femme est liée à son mari. Mais tant qu'il si est vivant. Le mari meurt. Mais si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. A commis dégagé na qui l'a lié à son mari de la loi. Oye banda ki ko kangaye qui l'a mobali qui l'a accroché à son mari. Amen. Amen. Nous savons tous que notre sœur Abi a été mariée. Nous savons tous que notre sœur Abi était mariée. Amen. Amen. Lié. Elle est liée jusqu'à maintenant avec son mari. Pourquoi? Parce que Azal ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose que son mari lui avait donné. Laissez-moi vous parler à vous qui vous séparez, divorcez. Vous aurez toujours la vie. Vous êtes encore lié. Qui n'est pas coupé selon la Bible. Et au travers de ces liens, le diable profite. Alors je vous conseille d'être vigilant. Cherchez à arranger. Et maintenant, tout ça à la côté, la Bible déclare que la Bible nous dit que lorsque un meurt, l'autre est dégagé de la loi. Et du fait qu'il est dégagé de la loi, mais il y a quelque chose qui est lié dans le monde. Même si elle est dégagée de la loi, en elle, elle porte un objet qui l'attache toujours. Voilà pourquoi nous allons passer au retrait de l'alliance. Parce que même la Bible dit qu'elle est dégagée. Afin qu'elle soit dégagée. Afin qu'elle soit dégagée. Lorsque nous allons l'enlever, avec les serviteurs de Dieu, nous allons prier. Pourquoi nous allons prier? Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Parce que des gens mal intentionnés, il y a des démons
qui peut prendre un corps de papa Thomas. Ils peuvent venir et apparaître avec l'apparence de papa Thomas. Oh, nous, j'ai vu papa Thomas et nous avons fait ceci. Voilà pourquoi j'ai commencé par Jude 9 pour vous montrer. Si Moïse, si le diable est venu réclamer le corps de Moïse, à combien plus forte raison? Amen. Amen. Nous fermons nos yeux. Papa, nous te remercions. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Père. Tu as dit qu'une femme est liée à son époux, tant qu'il est en vie. Mais maintenant qu'il n'est plus en vie, elle est détachée. C'est ainsi cette alliance qui a été mise. Nous enlevons cette alliance au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons en ton nom, Seigneur Jésus, qu'elle soit dégagée physiquement et spirituellement. Par le nom de Jésus. Père, que les gens qui sont mal intentionnés, que toute personne mal intentionnée ne puisse pas prendre autorité, ou bien qu'il y ait en fait une porte ou un accès, ou qu'il y ait une porte ou un accès. Nous fermons tout accès. Amen. Nous fermons tout accès. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te serviteur de Dieu. Nous allons prier, interdire que le démon ne puisse pas pénétrer. Pour en fait, nous allons empêcher que tout le monde puisse entrer ou prendre accès au travers de ce corps. Et nous prions pour notre sœur. Afin que le sang de Jésus-Christ la couvre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les enfants et pour la femme de papa Thomas et recommandant entre les mains de Dieu que le Seigneur en fait étende sa main de gloire et sur toute la famille aussi que sa grâce descende. Nous allons aussi prier pour le corps de notre frère Thomas. Amen. Nous sommes venus enterrer le corps de notre frère Thomas. Lui, il n'est plus. Ça, c'est son corps. Alors que personne ne s'amuse avec ce corps. Nous allons interdire tous les démons. Nous allons mettre ce corps à l'abri et interdire tous les démons. Toute personne mal intentionnée de s'approcher de ce corps. Au nom de Jésus-Christ, prions. Rendons gloire à Dieu. Tu es avec nous. Autorité et la puissance. Tu nous as doté de l'autorité et de la puissance. Par le nom
de Jésus. Passez par le nom de Jésus. Déclarons nul et sans effet. Déclarons nul et sans effet. Manigance nion sa monde des ténèbres. Manigance du monde des ténèbres. Mabongisi nion sa ba démon. Je détruis tout ce qui est les démons. Mabongisi nion sa ba sorcier et à ba gens mal intentionnés. Tous les démons, les sorciers, les gens mal intentionnés. Le nom de Jésus Christ. De Dieu à l'abri, corps à notre frère. Mais mettons ce corps à l'abri. Afin que personne ne puisse s'approcher. Afin que personne ne s'en approche. Au nom de Jésus. Au archange Michael. Là où l'archange Michael. Au Yabouné la Kanzoto et à Moïse. Qui a combattu le corps de Moïse. Azawana. Qui est présent. Au Yabouné la Kanzoto et à Moïse. Au Yahweh Zoto et à Moïse. Dans le nom de Jésus. Là où le corps de Papa Thomas sera réclamé. Yahweh, nous recommandons à vie. Les enfants, nous recommandons Mama Bia. Et en Atiki Bango. Je les laisse sous ton sang. Rien. Aucune puissance s'approche. Et ne s'approche. Sans effet. Dans le nom de Jésus Christ. Nous coupons les liens. Nous coupons tous les liens. La molili du monde nous faisons impie. Tous les liens impies et à la couper par son nom au nom de Jésus. Jésus Christ de Nazareth. Amen. Père, que la suite soit entre tes saintes mains pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Merci. De prière. Merci également pour toutes les jolies fleurs que vous avez apportées à Thomas. La famille vous prie de trouver en ce jour l'expression de leur gratitude, mais également de leur reconnaissance. Un grand merci. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons procéder à l'inhumation du corps de Thomas. Et en guise de dernier hommage, j'inviterai évidemment son épouse, ses enfants, dans un premier temps, à venir déposer une rose au-dessus de la sépulture. Suivront ensuite toute sa famille, ses neveux, nièces et tous les membres de la famille avec leur jolie rose rouge. Et enfin, pour terminer ce cortège, j'inviterai tous les amis et proches à venir jeter quelques pétales de rose au-dessus de la sépulture en hommage à Thomas. Les pétales de rose qui symboliseront évidemment tous les témoignages d'amour et de tendresse que vous aviez envers lui. Je vous demanderai, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, le temps que mes collègues procèdent à l'inhumation, de vous écarter un tout petit peu sur le côté afin qu'on puisse accompagner Thomas vers sa dernière demeure. Et je... Monsieur le pasteur, quelques mots.
Oui. Et après, pasteur, relâche les commandes. J'en dis pas. Oui, oui, c'est ça. Messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur des miracles. 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 Amor, no, 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 no.
Oh,
Lord is mighty. The Lord can quench the evil flame. Peace when trouble blows. Jehovah sees, Jehovah knows. He is my peace. When sorrow nears, Jehovah sees, Jehovah hears. Like the bread I need to live, Jehovah takes, Jehovah gives. Gives me peace when trouble blows. Jehovah sees, Jehovah knows. Yes, he knows. Gives me peace when trouble blows.